je suis Ousmane Mangane du Sénégal. Nous allons vous présenter de très beaux villages dans le sud-est de la Chine, plus précisément dans la province du Jiangxi. Ces deux villages ont pour nom Jiangsheng et Huangying. Le second village où nous sommes actuellement est un site historique fondé il y a de cela 5 siècles sous la dynastie des Ming. Ce beau village, très romantique, est considéré par les experts comme le plus beau village de la Chine et nous allons le découvrir ensemble. Je ne suis pas dépaysé ici parce que chez moi, dans mon village à Labgar au Sénégal, après les récoltes, on expose les produits céréaliers de cette manière. Je ne sais pas, vous aussi, qu'est-ce qui vous inspire à le faire de cette manière ?老百姓他没有平地晾晒，能够就在自家屋顶上用那种竹菜饼晒上农产品，造就了管理独特的一种农村景观。一到秋天的时候，晒的这种红的辣椒、金黄的稻谷，整个村庄屋顶上就像一个调色板，五颜六色，非常有艺术感。 Nous sommes dans l'une des plus anciennes maisons de cette cité de Huangling et nous allons parler de l'architecture de cette localité. Monsieur Puy, est-ce que vous pouvez revenir et nous parler donc de cette traditionnelle chinoise, surtout en matière d'architecture?灰派建筑的房子之一，灰派建筑的房子，外观就是飞檐嵌角，粉墙黛瓦。它内部的装饰呢也很讲究，雕梁画栋。朝座的摆设很讲究，它东边是瓶子，西边是镜子，中间是时钟，它的寓意就是终身平静。 牧原的人民知道怎么来继承自己祖宗留下来的遗产。古建筑的保存，我们牧原县有两条措施，一条就是原地保护，还有一条就是叫异地保护，就是搬迁，家里困难呀，或者房子要倒了，那么就允许开发商把它从你们村里搬到其他地方。你无论走到牧原县哪个村落。 Nous sommes au pont Leising, un pont qui est génial parce qu'il faut être courageux pour marcher sur le verre comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce pont? Alors, vous êtes guide touristique après vos études à l'université. Vous avez décidé de venir ici dans votre village pour travailler. Comment ça s'est passé? Parce que ce n'est pas évident de trouver du travail au village.